summer's back. Sun bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here. Sunsets, evenings, and night skies so clear. Please let the warm nights return. Hey, c'est Capbands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente parce qu'il s'agit certes d'un speed build, mais d'un speed build un petit peu particulier. Nous sommes devant la construction d'une maison que vous allez devoir rénover. Vous avez été très nombreux à me demander de faire un petit challenge construction pour et avec vous, un peu comme Bellepinte l'a fait en proposant une coquille vide, et du coup je me suis hâtée à la tâche, mais ça me faisait un petit peu bizarre de vous mettre juste un petit bloc comme ça dans la galerie, donc j'ai imaginé une coquille certes, mais pas si vite que ça. Cette maison est donc une vieille demeure qui se trouve sur un terrain 30 par 20 à Bridental Bay. J'ai choisi cette taille de terrain pour que vous puissiez le placer partout, bien évidemment. Si vous n'avez pas chien et chat, on s'en fiche. Mais je trouvais que ce petit terrain était parfait pour une maison abandonnée, sachant qu'il n'est relié à aucune route. Cette maison n'a évidemment pas toujours été abandonnée, elle a été longtemps la propriété de la famille Villemain. Pierre et Josette se sont connus sur les bancs de l'école et ont tout de suite su qu'ils passeraient leur vie ensemble. Ils ont arrêté l'école très jeune d'ailleurs, à l'époque faire de longues études était loin d'être une priorité, et Pierre travaillait dans la boulangerie de la ville pendant que Josette faisait des heures de ménage à droite et à gauche. Ils vivaient dans un petit deux pièces très sombre au-dessus de la boulangerie, le volet ne s'ouvrant plus, empêchant toute lumière d'entrer. Quand Josette tomba enceinte, ils surent qu'il leur fallait trouver un autre petit nid douillet, mais pas n'importe lequel, le leur. Pierre avait toujours été bon en dessin, alors il imagina les plans de leur maison. Ils avaient un petit lopin de terre hérité de la grand-mère de Josette où Pierre cultivait ses choux. L'argent ne rentrant pas suffisamment pour faire construire une maison par des pros, Pierre venait tous les soirs après sa journée de travail sur ce fameux petit terrain et avec l'aide de quelques amis, ils firent de ce pauvre champ un havre de paix. C'est un an et demi après avoir entrepris les travaux qu'ils purent emménager dans leur maison. Leur bébé était né et Josette attendait de nouveau un heureux événement. Elle était très contente que ses deux enfants soient très proches en âge, aussi pourraient-ils jouer ensemble, pensait-elle. La maison n'était pas très grande au début, après la naissance de leur deuxième fille, Josette fut engagée en tant que secrétaire. Puis quelques années plus tard, Pierre reprit la boulangerie après que son patron et ami soient partis à la retraite. Leur situation financière était donc plus stable, alors ils entreprirent des travaux pour la maison. Les filles, qui finalement n'étaient pas si proches que ça, rêvaient d'avoir une chambre chacune, alors Pierre et Josette firent leur possible pour leur offrir cette chance, en aménageant les combles de la maison. Josette et Pierre étaient si heureux dans leur maison et pour rien au monde ils auraient voulu la quitter. Ils ne pensaient qu'à l'améliorer, la rendre toujours plus agréable, toujours plus accueillante. Aussi, ils n'ont pas hésité une seule seconde à mettre toutes leurs économies dans la création d'une piscine. Pierre et ses amis ont creusé et creusé pendant des jours pour pouvoir encastrer la fameuse piscine. À cette époque, leurs deux filles étaient déjà grandes et ravies de pouvoir organiser des petites après-midi piscines avec leurs amis lors des journées brûlantes des étés qui suivirent. Non vraiment, Josette et Pierre avaient tout pour être heureux, si ce n'est le désamour qui unissait leurs deux enfants. Chloé et Clémentine étaient sans arrêt en guerre. Josette pensait qu'avec l'âge et par conséquent la maturité, leur rapport s'améliorerait, mais rien n'y faisait. Elles se détestaient. C'était dur pour leurs parents qui n'eurent jamais rêvé d'autre chose que d'une famille unie et heureuse. Lorsque les filles quittèrent la maison, Josette y vit une opportunité. Peut-être que se voir seulement pour les fêtes leur permettrait de mettre leurs différences de côté. Il peut être difficile de vivre sous le même toit après tout. Mais il n'en fut rien, et c'était de plus en plus difficile pour Josette et Pierre d'avoir leurs deux filles réunies sous le même toit lors des repas familiaux, chacune prétextant toujours quelque chose quand elle savait l'autre à la maison familiale. Le temps passa. Josette et Pierre, plus amoureux que jamais, profitaient sagement de leur retraite. Quand Pierre décéda subitement. Un arrêt cardiaque. Josette était anéantie. Chloé et Clémentine se relayaient pour soutenir au mieux leur mère. Malheureusement, elle ne se remit jamais de la mort de son époux et décéda à son tour quelques années plus tard. Si bien que Chloé et Clémentine héritèrent de la maison, l'œuvre de toute une vie, la fierté de Pierre. Mais comme à leurs habitudes, elles n'étaient pas d'accord sur rien. Chloé voulait vendre alors que Clémentine voulait garder ce souvenir si précieux de leur maison d'enfance qui abritait tant de souvenirs. Chloé ne voulait rien entendre et Clémentine campait sur ses positions, si bien qu'elle ne signa jamais les papiers du notaire. La maison, quant à elle, se dégradait à vue d'œil. Une tempête incroyable avait fait rage sur la côte, inondant une partie du rez-de-chaussée.
Mais Clémentine, sans l'accord de Chloé, ne pouvait entreprendre de gros travaux. Le temps passa et elles finirent par laisser la maison livrée elle-même. Puis Clémentine, alors âgée de 79 ans, succomba à son cancer. C'est ainsi que notre histoire commence, mes petits cœurs de beurre. Chloé a ainsi pu mettre la maison en vente, et même si elle ne vaut pas un clou dans cet état, Valentin, un ambitieux agent immobilier avide de faire ses preuves, a décidé de la vendre pour prouver à son patron qu'il était capable de n'importe quel miracle, même de vendre cette vieille baraque au milieu de rien. Il fit donc visiter cette charmante demeure au petit couple que vous avez pu apercevoir en début de vidéo, Thomas et Amandine, et leur fille Agathe. Bon, Agathe n'a pas l'air très enchantée, mais ses parents pensent que cette maison a un gros potentiel. Bien sûr, ils vont mettre sur leur coup les meilleurs ouvriers et décorateurs d'intérieur sur le marché, c'est pour ça qu'ils ont besoin de vous. Voici les règles pour rendre cette maison parfaite pour les futurs acquéreurs. Ne touchez pas à mes murs, ne touchez pas aux murs, ne les supprimez pas. J'ai fait des demi-murs pour donner l'illusion de murs cassés, bien sûr vous pouvez mettre des murs pleins, mais vous ne pouvez supprimer aucun mur, même ceux qui vous embêtent. Il faut impérativement deux, voire trois chambres. Une chambre pour le couple, une chambre pour leur fille et une pour un potentiel deuxième enfant, ou un bureau, ou une bibliothèque, je ne sais pas, épatez-moi. Mais il faut impérativement deux chambres et si vous en avez trois, alors là vous êtes au top. Vous devez mettre une piscine à la place de la fausse piscine que j'ai faite, c'est impératif. J'ai donné l'illusion d'une piscine vidée en créant un sous-sol, vous devez impérativement me mettre une vraie piscine à cet endroit. Vous avez la possibilité de déplacer l'escalier, ça ne me gêne pas. Quand on rénove une maison dans la vraie vie, il nous arrive de supprimer un escalier qui est déjà là et de déplacer l'escalier, de le mettre un petit peu ailleurs. Ça ne me pose pas de problème, ça rentre dans une rénovation. Vous avez la possibilité de refaire les toits. Il y a d'ailleurs des trous dans ceux-là, donc c'est préférable. Hein. Je ne voudrais pas qu'ils prennent la sauce. Mais attention, il faut être réaliste quand même. Il faut quand même que ce soit plausible. Dans la vraie vie, on peut rénover un toit, mais on reconnaît toujours la forme d'origine. Vous me suivez ? Vous avez la possibilité d'ajouter une pièce, à condition qu'on voit qu'elle a été rajoutée, comme par exemple une véranda, ou quelque chose du genre. Quand on rénove une maison dans la vraie vie et qu'on agrandit une vieille bâtisse, on voit toujours la partie ajoutée. C'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens, c'est une règle très importante. Vous pouvez agrandir la maison, mais attention, il faut qu'on reconnaisse la forme d'origine. Pas de limite de budget, laissez parler votre créativité. Ça m'est égal que la maison coûte 1 million de simflouz. Après tout, Thomas et Amandine ont l'air d'avoir les moyens, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr utiliser tous les codes de triche, n'hésitez pas à utiliser les objets du mode débogage, ça m'est égal, au contraire, au moins ça sera très clutter comme ça, j'aime beaucoup. Bien sûr, vous n'avez pas le droit au CC puisqu'il faut que je puisse voir ce que vous avez mis. Vous ne pouvez pas déplacer la maison sur le terrain, ce n'est pas possible. Dans la vraie vie, quand on rénove une maison, on la déplace pas de trois carreaux en se disant « Oh, ce serait mieux ici ». C'est pas possible. Et surtout, je veux absolument une piscine, donc si vous déplacez la maison, la piscine va sauter. C'est pas possible ça. Je répète un petit peu rapidement les règles. Vous ne touchez pas au mur, vous devez impérativement avoir deux voire trois chambres, vous avez la possibilité de déplacer l'escalier, vous avez la possibilité de refaire les toits en restant quand même fidèle à ce qu'il y a déjà, vous avez la possibilité d'ajouter une pièce à condition qu'on voit qu'elle a été rajoutée, pas de limite de budget, débogage, tous les codes, peu importe, et vous ne pouvez pas déplacer la maison sur le terrain. Bien sûr, je vais épingler un commentaire avec les règles, hein, ne vous inquiétez pas. Et pour que je voie vos chefs-d'œuvre, merci de mettre un petit hashtag. Le hashtag en question étant hashtag RénoCapante. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des règles. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, je me suis gavée, hein, j'ai mis une vieille gazinière, j'ai un peu délimité les pièces pour un souci de réalisme, voilà. On peut encore deviner où se situe l'ancienne salle de bain, l'ancienne cuisine, etc. Bien sûr, vous pouvez tout virer. Hein, c'est pas parce qu'il y a une gazinière à cet endroit-là que vous devez à tout prix faire la cuisine ici. Vous pouvez faire une salle de bowling, bon... Je ne pense pas que ça rentrerait, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'était juste pour remplir l'espace et puis pour un souci de réalisme, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà rénové une maison avec mes parents où il y avait une salle de bain et puis on en a fait une chambre et puis vice versa. Donc franchement, il n'y a pas de souci. Vous avez jusqu'au dimanche 23 février minuit, puisque je regarderai vos créations en début de semaine et j'en présenterai autant que je peux dans la vidéo du mercredi qui suit, donc le 26. Donc c'est impératif que vous ayez terminé pour le dimanche 23, parce que sinon je peux pas attendre que vous ayez fini quoi. Alors c'est un petit défi, un petit challenge, appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas un concours puisqu'il n'y a rien à gagner.
Vous le savez déjà, mais tous les mois j'offre un petit jeu pour l'anniversaire de l'un d'entre vous, et n'ayant pas gagné au loto récemment, je ne peux pas encore offrir un jeu pour ce petit défi. Voilà, c'est juste un petit truc convivial qu'on fait entre nous, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, mais il n'y a rien à gagner, si ce n'est ma gratitude éternelle. Voilà, je suis vraiment désolée pour ceux qui auraient aimé et espéré avoir un jeu en échange d'une petite rénovation, malheureusement ce n'est pas possible. Voilà, j'espère que les règles sont à peu près claires, j'ai essayé de penser à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai rapidement pour que vous ayez toutes les clés en main pour commencer au plus vite la rénovation. Moi perso, j'ai beaucoup aimé construire cette petite maison. C'est super rigolo de partir sur une construction du genre, parce que c'est quelque chose que j'avais absolument jamais fait. Et c'était très marrant d'imaginer des murs cassés, et des morceaux de toit manquants, etc. Au début, je suis partie sur vraiment une chaîne, une coquille, comme si on partait sur une maison normale, quoi. Et puis c'est après que j'ai commencé à la casser et tout, c'était vraiment trop drôle, bref. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire de cette petite maison, parce que je pense vraiment qu'elle a du potentiel, hein, comme diraient Thomas et Amandine. Je pense qu'on peut en faire une maison super chouette. Bon, je dis pas que j'ai construit la meilleure coquille de tous les temps, mais voilà, je pense que ça pourrait être très mignon, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, vous cassez pas ma petite cabane au fond de la cour là, hein, ou l'endroit où on peut ranger les outils de jardinage, hein. Vous la cassez pas, hein, vous avez pas le droit, hein. Non, non, j'ai dit, on ne touche pas au mur, donc vous êtes coincé avec cette petite cabane, voilà. Mais vous pouvez l'agrandir, donc ça, c'est cool. Bon, et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, il me semble pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Si jamais il y a quelque chose qui est pas clair ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. On se retrouve dimanche pour la suite d'Avant que la nuit ne tombe. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours positifs, ça fait chaud au cœur, vraiment. En attendant dimanche, prenez soin de vous, et à très vite. Ciao !